Au cours de ce week-end, vous pourrez ainsi rencontrer des artistes adhérents du Centre Cousteau participant aux ateliers de Philippe Deporter, ici présent, des plasticiens, des artisans, des créateurs, des producteurs locaux, des éleveurs et diverses associations œuvrant pour le patrimoine local. De belles surprises vous attendent et de belles découvertes vous étonneront encore cette année, avec entre autres de la bijouterie, de la ferronnerie, le couteau calaisien présenté par notre ami Franck Ackermann, membre du Centre Cousteau, le safran de marque, du champagne avec sa cuvée spéciale art et terroir, de la bière artisanale, de la fleur de sel des deux capes, de la moutarde, du pain noir du mineur, de l'épicerie fine, de l'huile du fromage, du miel de chez nous, sans oublier la venue exceptionnelle du chef cuisinier escoffier Stéphane Bulto, qui est en train de nous préparer des petits plats juste en face, et de la sommelière escoffier également, Marielle Berthelot, qui font des démonstrations culinaires et des dégustations. Je vous invite à découvrir les trésors de notre territoire et je vous souhaite un excellent week-end. À tous, un grand merci. Alors bonjour, oui, comme disait Régis, c'est la première fois qu'on applaudit une liste de courses. Ça prouve qu'il y a quand même de la qualité, du choix et beaucoup d'artisans et de producteurs locaux ici réunis. Donc déjà félicitations au Centre Social et Culturel Jacques-Yves Cousteau pour cette troisième édition du festival Art et Terroir qui rassemble ce qui se fait de mieux dans le coin. Tout ça, ça prouve la réussite de notre territoire et la... l'envie d'artisans, de commerçants, d'artistes de pouvoir présenter au plus grand nombre ce qu'ils savent faire. Merci également donc à Fabrice, le président du Centre Social, à Paulette, à la directrice, à tous les bénévoles et salariés qui y travaillent. Merci à la ville de Marc d'avoir mis à disposition les locaux de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Merci également à Jean-Paul Buet pour la présence de ses mascottes. Encore bravo et merci à tous les intervenants ici présents aujourd'hui. Have you seen the old man in the clothes market? Picking up the paper with his worn out shoes. In his eyes you see a fright, helplessly by his side. Yesterday's paper, yesterday's news. So, how can you tell me you're lovely and say for you that the sun will shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks through the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She has no time for talking. She keeps right on walking. Carry her home into carry her bags. So, how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I show you something to make you change your mind. Donc maintenant, tu prends ta corde à sauter, tu fais doucement, tu te mets en position, et c'est bon ça! 1, 2, 3, 4! Corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais fais doucement! Position 1, 2, c'est bon ça! C'est bon ça! Stop! Oh. Yeah.
Allez.